Sergent Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Veuillez me donner votre mot de passe, Commandant Shepard. Le silence est d'or. Heureuse de vous rencontrer enfin, Commandant Shepard. Je suis Kasumi Goto, une grande fan. C'est quoi cette histoire de mot de passe et de furetage? Vous avez des problèmes? Je suis la meilleure voleuse dans mon domaine, pas la plus connue. Je dois surveiller mes arrières si je veux que ça reste comme ça. Je devais aussi m'assurer que tout était réglo. Maintenant, je sais que vous êtes bel et bien le Commandant Shepard. Qu'est-ce qui vous a amené à eux? C'est assez compliqué, mais pour faire court, ils me cherchaient. J'ai donc voulu savoir ce qu'ils me voulaient. En fait, ils cherchaient quelqu'un pour se joindre à vous et à votre importante mission. En échange de mon enrôlement, ils m'offraient des primes à la signature des plus intéressantes. Vu que j'avais besoin d'aide pour l'un de mes coups, j'ai fait un marché, et me voilà. J'imagine que ce marché me concerne. Oui, ils ont dû oublier de vous en parler. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire. Un homme du nom de Donovan Hawk l'a prise, mais je veux la récupérer. Quel est ce casse que vous comptez faire? Je ne peux pas vous en parler ici. Vous le saurez au moment opportun. Il faut encore que je m'occupe des détails, de toute façon. Je me suis permis de vous prendre une tenue soirée. Il vaut mieux être bien habillé. Que savez-vous sur Donovan Hawk? Monsieur Hawk est un homme d'affaires très respecté. Il revend des armes, il élimine des gens. Bref, ce n'est pas un modèle de bonté. Sa demeure est réputée pour être inviolable, mais je connais la faille qui nous permettra de rentrer. Je suis sûre que vous allez adorer. Je ne pense pas que ce Hawk soit du genre à apprécier l'intrusion d'inconnus chez lui. Je m'attends toujours à des rebondissements. C'est pour ça que je fais appel à vous. Une boîte grise, c'est bien une sorte de matériel informatique. C'est un implant neuronal qui stocke les souvenirs, les pensées, les codes secrets et les informations confidentielles ou illicites. C'est illégal presque partout. Celle que je recherche appartenait à Keiji Okuda, mon partenaire. Nous avons longtemps travaillé ensemble avant que Hawk ne le tue. Parlez-moi de votre ancien partenaire. Il s'appelait Keiji Okuda. C'était le meilleur hacker et voleur que je connaissais. Malheureusement, il lui a suffi d'un dérapage pour ruiner sa réputation. Il a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il m'a dit à quel point son erreur était grave, car si sa découverte se savait, une guerre interstellaire pouvait éclater. Cette erreur lui a valu la mort. Qu'est-ce que c'était pour que les enjeux soient si importants? Je ne sais pas. Il s'est contenté de me dire que c'était dangereux, et que si cela se savait, l'humanité risquerait d'en subir les conséquences. Il a crypté cette information et l'a stockée dans sa mémoire. Pour décoder les données, il faut passer en revue toutes les années que nous avons passées ensemble. Ses souvenirs sont tout ce qu'il reste de lui. Je comprends pourquoi vous voulez la récupérer. Il me sera plus facile de la récupérer avec votre aide, Shepard. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Ça, les bleubites, c'est une bastos féreuse de 20 kilos. Soupesez-moi ça. Toutes les 5 secondes, le canon principal d'un cuirassé de classe Everest accélère à 1,3% de la vitesse de la lumière. Ces impacts ont la force d'une bombe de 38 kilotonnes. Ça fait 3 fois la puissance de la bombe terrienne balancée sur Hiroshima. Ça veut dire que dans l'espace, le plus bel enfant de salaud, c'est Sir Isaac Newton. Deuxième bombe Burnside. Quelle est la première loi de Newton? Chef, tout objet conserve son état de mouvement rectiligne uniforme, chef. Espère pas te faire bouger avec la moitié de la réponse, sac à foutre! Chef, dans un référentiel galiléen, chef. Exact! Et l'espace est vide. J'ose espérer que vous savez ça, tas de punaises. Une fois qu'on lourde ce joujou, il avance jusqu'à ce qu'il touche quelque chose. Ça peut être un vaisseau ou bien la planète derrière ce vaisseau. Ou alors, il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'à toucher quelqu'un d'autre dans 10 000 ans. Bref, si vous videz les murs d'un papa cuirassé, vous êtes sûr que quelqu'un quelque part va pas aimer? Voilà pourquoi on prend toujours le temps d'attendre que l'ordinateur vous donne une putain de solution de tir. Et voilà pourquoi, deuxième bombe chunk, on ne tire pas au pifomètre. Ceci est une arme de destruction massive. Pas un colt pour jouer les cow-boys du dimanche. Chef, oui chef. Pardon, je peux vous aider?
La dernière fois que je suis passée par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des guettes, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration guettes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. J'ai pas l'impression que les guettes soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Suivant. De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite. Éteignez-moi ça. Quoi ? Vous pensez vraiment ? Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Ils semblent croire que vous êtes morte. Je n'ai été qu'aux 3/4 morte. Cherchez donc la case correspondante dans la paperasse administrative. Ah, on va vous régulariser ça. Allez voir mon capitaine, il est de l'autre côté des scanners, à droite. Il va falloir le faire crier un peu. Il va pas tout déballer pour tes beaux yeux. Je sais, chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Oui ? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes morte. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le morse est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi ? Les scanners ADN de ce tunnel ne manquent pas. Vous êtes vous. À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main 3 tonnes de formulaires pour en arriver au même résultat ? Le Conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire. Mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Ça m'irait très bien. Voilà, vous pouvez y aller. Cela étant, je vous conseille de faire un tour au Présidium. Le Conseil aurait sans doute envie de savoir qu'un de ces spectres portés disparus court toujours. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose ? Ou bien je peux reprendre le travail ? À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les guettes ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les 4 autres sont dominés par les Asari, les Turiens ou les Galariens. À Zakera, il y a de grandes enclaves Volus, Elcor et Anari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a 2-3 Krogan par-ci par-là, et j'ai cru voir une Carienne l'autre jour. On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les Veilleurs nous ont retapé ça en moins de 2. C'est le secteur Taïsiri qui a le plus morflé. L'opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ravi de vous revoir, Shepard. La Citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Voici le centre de transport du secteur Zakera. Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. On dirait que vous êtes reparti du bon pied après l'attaque de Sovereign. Les réparations des dégâts causés par l'attaque Get suivent leur cours. Il reste d'importants dommages dans le secteur Taïsiri. Get ? C'était Sovereign qui menait l'attaque. Un moissonneur. Je ne dispose d'aucune information sur un moissonneur. Il existe des références à ce terme dans certaines théories parahistoriques sur les cycles d'extinction. Ils ont dissimulé des infos sur les moissonneurs.
C'est plus facile de faire porter le chapeau à un ennemi connu comme les Guettes. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. C'est quoi ? Avec les lacs du Présidium, ça grouille de poisson. Mais non, voyons. Ce que tu as été, toi. Cet entretien serait plus productif si Udina consentait à nous rejoindre. Mon assistant est indisponible. En tant que conseiller, je représente la voix de l'humanité et de l'Alliance. Shepard arrivera d'ici... Ah, commandant, nous parlions justement de vous. Ça faisait un bail, Anderson. J'espère que vous avez profité de ces deux dernières années. J'ai eu des hauts et des bas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous avons entendu bien des rumeurs concernant votre retour inopiné. Certaines sont préoccupantes. Cet entretien a pour but de vous laisser vous expliquer, Shepard. Nous vous devons bien cela. Après tout, vous nous avez sauvé la vie durant le combat contre Saren et ses Guettes. Les récolteurs enlèvent des colons humains dans les systèmes Terminus. Pire encore, nous pensons qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les systèmes Terminus sont hors de notre juridiction. Vos colons ont quitté l'espace concilien en toute connaissance de cause. Vous omettez le plus important, conseiller. Les moissonneurs sont impliqués. Ah oui, les moissonneurs. Ces vaisseaux immortels doués de conscience qui, à vous croire, sommeilleraient dans l'abîme. Nous avons déjà statué sur et rejeté ces allégations. Shepard, personne d'autre que vous n'a rencontré l'hologramme sur Ilos qui vous a révélé l'existence des moissonneurs. Vos coéquipiers et vous avez été les seuls à parler à Sovereign. Je vous crois. Mais en l'absence d'une deuxième source pour corroborer vos dires, les autres pensent que c'était Saren qui menait l'attaque des Guettes. Retournez parler à Vigil sur Ilos, ou bien examinez les restes de Sovereign. C'est une technologie bien plus avancée que la nôtre, ça crève les yeux. L'hologramme sur Ilos n'est plus fonctionnel, et nous n'avons rien trouvé qui indique que Sovereign n'était pas une création des Guettes. Les Guettes sont capables de véritables prouesses technologiques. C'est sans doute pour cela que Saren les a recrutés. Cette théorie des moissonneurs ne fait que mettre en évidence votre fragilité mentale. Vous avez été manipulé par Cerberus d'une part, mais aussi par Saren. Saren était un organique. Les Guettes ne l'auraient jamais accepté comme chef. S'ils l'ont suivi, c'est uniquement parce que c'était l'agent de Sovereign. Saren dégageait un charisme, une force de persuasion rare. Il a convaincu les Guettes de l'existence des moissonneurs, tout comme il vous a convaincu, vous. C'était un élément comme un autre dans sa stratégie d'attaque de la citadelle. Les moissonneurs ne sont qu'un mythe, que vous vous acharnez à perpétuer. Vous croyez à ce que vous dites, mais sincérité n'est pas gage de véracité. Alors je suis livrée à moi-même, une fois de plus. Comprenez notre position, Shepard. En vous alliant à Cerberus, un ennemi avoué du Conseil, vous êtes passible de haute trahison. Vous allez trop loin. Shepard est un héros. En tant que membre de ce Conseil, je ne tolérerai pas cette mascarade. Nous pouvons peut-être parvenir à un compromis. Sans pour autant vous soutenir publiquement, nous pourrions vous fournir un appui indirect. Shepard, si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le Conseil est disposé à vous réintégrer en tant que spectre. Qu'est-ce que ça implique ? Il va falloir que je vous fasse des rapports ? Ce ne sera pas nécessaire. Il s'agit d'un témoignage de bonne volonté de notre part. Nous ne pouvons pas soutenir de front une enquête sur la disparition des colonies Terminus. Mais en vous réintégrant en tant que spectre, nous vous témoignons notre soutien personnel. J'accepte votre offre. Je suis heureuse que le Conseil soit de mon côté. Bonne chance dans votre enquête, Shepard. Nous espérons qu'elle sera vite résolue et que vous vous affranchirez rapidement de Cerberus. Bon, ça s'est mieux passé que je pensais. Vous êtes bien consciente que l'offre du Conseil est purement symbolique. Ils ne lèveront pas le petit doigt. Même s'ils refusent de m'aider, autant rester en bon terme. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas pour le Conseil ou l'Alliance. Je vais faire ce qu'il faut pour qu'il vous lâche la grappe. Tant que vous restez dans les systèmes Terminus, ça ne devrait pas poser de problème. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici ?
Je passais rendre visite à Anderson, c'est tout. Vous n'avez pas à me couvrir. J'ai invité Shepard à une audience avec le Conseil. Nous venons de terminer notre entrevue. Vous avez quoi ? Conseiller, les mots bourbier politique ont-ils seulement un sens pour vous ? Le Conseil a rétabli mon statut de spectre, du moment que je reste dans les systèmes Terminus. Oui, je comprends l'intérêt de cet accord pour les deux parties. Mais vous n'auriez jamais dû en arriver là sans m'en informer au préalable, conseiller. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Odina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditez un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Odina ne fait que son travail. C'est exact. Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état ? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création guette ? Personne n'a examiné l'épave ? Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos, des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les guettes se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie ? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus, je regrette. Vous travaillez pour Cerberus, après tout. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil, soyez prudente. Cerberus n'est pas digne de confiance. Le Destiny Ascension vient de terminer sa tournée triomphale, au cours de laquelle il aura visité pas moins de 20 colonies. Les membres du Conseil présents à bord du vaisseau ont tenu à remercier les soldats de l'Alliance pour leur lutte acharnée contre les troupes de Saren. Maintenant en vidéo, la version abrégée de Hamlet mise en scène par Francis Kitt, avec exclusivement des comédiens Elcor. Mélancolie nostalgique. Hélas, pauvre Yorick. Je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une verve infinie, d'une fantaisie exquise. Accusation profonde. Où sont vos plaisanteries maintenant ? Vos escapades, vos chansons et ces éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire. Venez assister à une représentation en direct d'Hamlet Elcor. 14 heures d'un spectacle dont vous vous souviendrez longtemps. Promotion douteuse. Je ne connais pas Shakespeare qui ne l'a pas entendu déclamer par un Elcor. Il a chaimassé. Bienvenue chez Sarodis Applications. Je peux vous proposer... Oh ! Shepard ! On se connaît ? Vous non, mais moi oui.
Même un Anaris Enil se rappellerait l'humaine qui a repoussé les guettes. Je vous croyais morte. Oui, on me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un œil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de navigation point and go ultra intuitif, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit « Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour? On n'est qu'à mi-chemin. » Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humaine qui a vaincu sa reine, ça vous tente? Avec joie, mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise? Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ça va être fabuleux. Je monte ça tout de suite et je diffuse aussi sec. Merci infiniment. Tu en penses quoi, Michael? Bonjour, citoyenne. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos tarifs. Ils sont un peu exorbitants. Si je peux me permettre, notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos recettes est consacré à la recherche contre les maladies génétiques. Vous savez ce qui pourrait booster vos ventes? Avoir pour porte-parole la femme qui a vaincu sa reine. Oh! Par la déesse! C'est vous, Shepard? Je me trompe? Je vous fais la remise consentie à nos employés si vous nous rendez ce service. Topela. Allez parler à ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Je vais intégrer ça tout de suite à notre marketing. Merci. Vous avez déjà mangé des lamelles? C'est un plat typique de la Terre. Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakera. C'est faux, nous sommes la meilleure épicerie fine de toute la citadelle. Bonjour, bienvenue à la citadelle. Vu que ces boutiques sont la propriété du conseil, est-ce que les fonctionnaires ont droit à une remise ? Oui, tout à fait. Quel est votre poste? Je suis un spectre. C'est un rôle très prestigieux. Je me ferai un plaisir de vous faire bénéficier de la remise consentie aux fonctionnaires spectres. N'hésitez pas à consulter nos prix mis à jour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vos expéditions risquent d'être un peu fades à mon goût. Fades? Un humain peut à peine abattre un Varenne sauvage. Les chatages n'en parlent même pas. Pour qui vous vous prenez? Eh bien, je m'appelle Shepard et... Shepard? Celle qui a éliminé sa reine Arterius? Tiens, vous me connaissez. Par les esprits. Shepard dans ma boutique. Dites, vous ne voudriez pas m'enregistrer un petit spot de pub? Pourquoi pas? On peut envisager une remise? Une remise? Vous pourriez même me demander de donner votre nom à mon premier-né. On peut faire ça maintenant? Allez parler dans ma console. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ah! Ça va faire pâlir d'envie les autres boutiques d'armement. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On prend le fusil à pompe? Perso, je vais faire le fusil à pompe. Vous avez testé Galaxy of Fantasy?
Il est terrible, ce jeu. C'est basé sur la mythologie turienne, mais c'est ultra jouissif. Il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant. Intéresse tellement de savoir s'il y a du poisson au Présidium. C'est ultra décadent. Bouffer du poisson au Présidium, ce serait comme tringler Shaira. Tant. Les Asaris sont mollasses. Y a rien d'assez solide à empoigner. J'ai parlé à un jardinier du Présidium. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de poisson dans les lacs. Quoi ? Tiens, tu vois. À quoi ça sert toute cette flotte ? Et si on n'y met pas quelque chose à manger ? Décidément, je comprendrai jamais les aliens. Merci de lui avoir dit, depuis ce matin qu'il me bassine avec ça. Le public est intrigué par votre histoire, Shepard. Kalissa bin Sinan al-Gilani pour Westerlund News. Je vous ai interviewé il y a 2 ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Votre plaidoyer était plus que convaincant. Vous auriez une minute. Vous essayez encore de me salir ? Allons, Shepard. Vous pouvez contester mes méthodes, mais nous sommes dans le même camp. Vous revoilà sous les projos. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il appuie le Destiny Ascension, une manœuvre qui a coûté la vie à des centaines d'humains et assuré la pérennité du Conseil. Les Turiens ont perdu 20 croiseurs, avec chacun 300 hommes d'équipage à leur bord. L'Ascension embarquait un équipage de presque 10 000 Asaris. Mais le coût en vie humaine... L'Alliance a perdu 8 croiseurs. Le Shenyang, l'Emden, le Jakarta, le Kero, le Séoul, le Cape Town, le Warsaw et le Madrid. Je n'en ai oublié aucun. Tous les membres de la 5e flotte sont des héros. L'Alliance leur doit des médailles. Le Conseil leur doit bien plus que ça encore. Vous leur devez plus que ça. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte ? Génial, me fait rembarrer dans ma propre émission.